Hello les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, j'avais envie de tester la bonne vieille MP5 et de la ramener à la vie. Et pour ce, j'ai utilisé du coup l'Arkman Sub de MW2 Warzone 2 avec ce class setup qui est globalement le même que j'utilise tout le temps pour toutes les mitraillettes. Hein. Donc compensateur, réducteur, flash M35 en bouche pour tout ce qui est contrôle du recul, la poignée, garde-main XRK Edge pour tout ce qui est mobilité, les munitions à grain élevé 9 mm pour tout ce qui est portée dégâts, vitesse des balles, le chargeur de 40 cartouches. Alors là, dans ce gameplay, j'étais en solo trio, j'aurais pu mettre le 50 cartouches, mais en fait, le 50 pénalise énormément la mobilité de l'arme. Donc ça, c'est à vous de voir. Franchement, en solo trio, je me suis plutôt bien débrouillé avec le 40, donc moi, je resterai sur le 40. Et enfin, la Larkman TCG 10 pour tout ce qui est contrôle du recul. Voilà, franchement, quand on la regarde, on a quand même l'impression d'avoir notre bonne vieille MP5. Hein. Elle est magnifique. Voilà, j'espère que vous kifferez le gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.
Case avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Identifiez les cibles minables. Il en restait plus que 5. Ici presque. Ils ont été plus forts que nous. Regroupez-vous et repartez au combat.